préserve dans tous les moments. Oh oui, Père éternel, Seigneur puissant. Nous venons, Seigneur, te rendre gloire, Seigneur. Nous venons te rendre gloire. Et bien aimé, oui, rends la gloire à ce Dieu-là. Rends la gloire à ce Dieu qui est tout-puissant. Vous savez, quand on rend gloire à Dieu, c'est qu'on est en train de reconnaître la grandeur de sa renommée. Nous sommes en train de reconnaître l'étendue de ce Dieu-là. Nous sommes en train de le reconnaître en tant que le Dieu et nous sommes ses disciples, nous sommes ses créatures. Il est un Dieu de toutes les nations. Il est un Dieu qui règne sur toutes choses. Et quand nous sommes en train de le rendre gloire, nous sommes en train de lui rendre l'honneur. À qui? Un honneur qu'il a acquis parce qu'il est le Créateur. Un honneur qu'il a acquis parce qu'il a fait des actions et il pose des actions dans ta vie tous les jours. Et toi, tu mérites cela. Et toi, tu dois l'honorer. Tu dois l'élever. Oui, il est le Créateur et le Sauveur. C'est pour ça que quand tu vas être là en train de dire gloire à l'agneau, tu vas être en train de dire gloire à celui qui mérite toutes choses. Vois comment il est le Créateur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Oh oui, élève encore le nom de Dieu. Rends-lui la gloire. Rends-lui la gloire en ce matin. Rends-lui la gloire. Rends-lui la gloire. L'agneau, Dieu de gloire. Tu es celui qui a été immolé pour moi. Tu as été immolé pour nous, Seigneur Tout-Puissant. Chantons gloire. Oh,
que la musique est en train de continuer, on est en train de chanter à ce Dieu qui est souverain. Lui qui est assis sur le trône, à part si vraiment la maladie t'empêche, si la santé t'empêche, mais il faut lui laisser sa place. Donc je t'inviterai, lève-toi dans la présence de Dieu, laisse-lui lui siéger sur le trône. Laisse-lui être assis sur le trône. Toi, viens au-devant de sa présence. Reconnais à ce Dieu-là. Avec l'équipe de louanges, nous allons retourner encore. Nous allons chanter car il est glorieux. Mais je veux que tu réalises ces paroles-là. Quand on dit nous élevons nos voix, tu vas élever ta voix. Quand on dit nous élevons nos mains, tu vas élever tes mains. Parce que c'est ce Dieu que tu es venu ce matin. Oh oui, Dieu de gloire. On peut remonter avec la musique, mais je veux que tu saisis ces paroles-là. Saisis les paroles de l'Éternel. Les rabbinsa, les vie. Oui, élève ta voix, dis à Dieu, tu es souverain et je veux que tu prennes place dans ma vie. Je veux que tu sièges dans ma vie. Je veux que tu prennes toute place. Oui, élève ta voix dans la présence de Dieu. Comme on a chanté, il est souverain. Quand lui, il est souverain, toute chose est imposée. Et car lui, il est le Dieu au-dessus de tout, il s'assure que ta vie reste meilleure. Il s'assure que tout de toi soit meilleur. Quand lui, il exerce sa souveraineté dans ta vie, tu peux que réussir, tu peux que avancer. Oui, élève ta voix, élève la voix, élève la voix. Oh Père Seigneur, merci Seigneur pour ton nom. Merci Dieu de gloire. Merci à toi. Que la gloire te soit rendue, Dieu le Père. Que l'honneur te soit rendu. Que la gloire te soit rendue. Que l'honneur te soit rendu. Oui, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il est digne de cela. 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 Oui, il est digne de cela. Il est digne de cela. Oui, continue, continue. Il est digne, comme on l'a vu. On a dit que tout être déclare que Dieu est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. En ce matin, élève, reconnais cela. Reconnais cela. Reconnais qu'il est digne de ces choses. Reconnais qu'il est digne de cela. Oui, il est ce Dieu-là. Son nom est élevé au-dessus de toutes choses. Son nom est élevé au-dessus de toutes choses. Son nom est élevé au-dessus de toutes choses. Oui, bien-aimé, élève ta voix. Élève ta voix. Quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est parce que tu veux passer un bon moment avec ton Dieu. Tu veux reconnaître qu'il est le Créateur. Oui, élève ta voix. Élève ta voix. Tu ne veux pas manquer de mots. S'il te manque des mots, tu peux dire, sois élevé, Dieu de gloire. Sois glorifié.
Oui, j'élève ton nom. Si tu manques des paroles, élève juste le nom. Si j'élève le nom de Jésus, j'élève le nom du Dieu puissant, celui qui est glorieux. Oui, élève, élève le nom de Dieu. Élève, rends gloire à ce Dieu. Rends gloire à ce Dieu. Rends gloire à ce Dieu. Continue, continue encore. Continue, continue. Il y a une chose avec la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu vient, elle influence ta vie. Elle impacte tout ce qui est de toi. Profite de ça. Pendant que tu es en train d'élever ce Dieu, et lui, il est en train de régner, il est en train de devenir souverain, vois comment il est en train d'impacter ta vie, d'influencer ta vie. Oui, bien-aimé, continue, continue. Continue encore, continue encore. Continue encore. Oui, quand tu chantes, quand tu es en train de pousser, tu es en train de chanter un chant nouveau. Ce que j'aime, c'est que dans le verset qu'on a lu, on dit que quand les 24 vieillards et ces gens se sont prosternés, ils avaient un chant nouveau. Ils avaient des chants nouveaux. Toi aussi, en ce matin, que tu aies un chant nouveau pour l'Éternel. Que ton cœur puisse amener un chant nouveau au roi des rois. Car ce Dieu est fidèle. Oui, il faut que tu amènes un chant nouveau à ce Dieu qui est fidèle, qui est le même hier, qui est le même aujourd'hui et qui reste le même éternellement. Amène un nouveau chant dans la présence de ton Dieu. Amène un nouveau chant. Oui, quand tu rends gloire à Dieu en ce matin, c'est parce qu'il a déjà fait beaucoup de preuves dans ta vie. Il t'a déjà montré que tu es digne d'être dans sa présence. Il a fait toutes choses favorables pour que toi, tu puisses profiter de la présence. Ce Dieu qui est fidèle, qui renouvelle le souffle dans ta vie, qui renouvelle ta santé, qui te donne l'opportunité d'aller travailler, qui te donne l'opportunité d'aller faire des études, de faire des projets. C'est ce Dieu qu'on est en train de parler. Ce Dieu fidèle, un Dieu d'amour, un Dieu qui reste le même dans toutes choses. C'est ce Dieu en ce matin que tu es venu chercher. C'est ce Dieu en ce matin que tu es venu élever. C'est ce Dieu en ce matin que tu es en train de célébrer. Oui, vois ton Dieu, vois ton Dieu. Oui, il est fidèle. Il est fidèle, ce Dieu-là. Il est fidèle. Il est fidèle dans toutes choses. Il est fidèle, ce Dieu-là. Oui, élève-le, élève-le. Vois la fidélité de Dieu. Même quand toi, tu faillis, même quand tu tombes, mais lui, il reste le même. Et il reste le même pour toi. Il s'attend à ce que toi, tu reviennes à lui. Et lui, il continuera toujours à exercer sa fidélité dans ta vie. Oui, vois comment ce Dieu est bon. Même quand toi tu es faible, lui il est là, il est fort. Même quand toi tu t'affaiblis, lui il s'assure de te donner la force nécessaire pour te relever. C'est ce Dieu qu'on est en train d'élever ce matin. C'est ce Dieu qui est fidèle, bien-aimé. Oui, oui, nous allons élever. Élève-toi, élève encore ta voix. Élève encore ta voix. Ne manque pas de mots. Oui, élève encore ta voix. Oui, nous allons déclarer la fidélité de ce Dieu qui est amour. Nous allons déclarer la fidélité de ce Dieu qui règne. Oui, élève le nom de Dieu. Merci pour ta fidélité en ce matin. Merci pour ta fidélité dans ces 22 jours. Merci pour ta fidélité qui m'a fait rentrer en 2023. Merci pour ta fidélité qui préserve ma famille. Merci pour ta fidélité qui préserve les enfants de ma famille. Merci pour ta fidélité qui préserve mes cousins, mes cousines, Père éternel. Cette fidélité qui me permet de marcher de jour en jour, de pouvoir prendre, Seigneur, les nouveaux pas. Bien-aimé. Oui. Ce Dieu qui est fidèle, il a déjà assuré que toi tu sois sauvé sur la croix. C'est un acte qu'on ne peut pas imaginer. C'est un acte très difficile. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus, ces paroles-là. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place.
a toujours été là. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Combien ça coûterait. Combien ça coûterait. À la croix. À la croix, il a pris ma place. À Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer. Combien ça coûterait. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. À Dieu s'est donné.
Ce Dieu, car il est fidèle. Vois d'où Dieu t'a pris jusqu'à où il t'a amené. Vois d'où Dieu agit pour toi, même dans les choses que peut-être parfois tu oublies. Parfois tu oublies que oui, tu cherchais peut-être le travail et Dieu t'a donné le travail. Parfois tu oublies que tu cherchais comment peut-être voyager, mais Dieu t'a donné l'opportunité de voyager. Parfois tu oublies que tu voulais qu'il y ait la paix dans ta famille, mais Dieu a amené cette paix-là. Peut-être parfois il y a des choses qui viennent te déstabiliser, mais sache que Dieu qui est dans ta vie, il est là, il est fidèle. Et il s'assure que ses enfants, et qu'est-ce qu'ils ont? Il a des desseins pour ta vie. Il a des desseins pour que toi tu puisses vivre dans le bonheur. Oui, élève ta voix, élève ta voix. Monte encore dans ta prière. Monte encore dans ta prière. Père, merci pour ta fidélité. Une fidélité, Seigneur Tout-Puissant. Tu me laisses jamais, Seigneur Tout-Puissant. Même quand je suis faible, Père éternel. Même quand, Seigneur, je ne sais pas où trouver, où puiser, Seigneur, la force, Seigneur. Quand je reviens à toi, Seigneur, je comprends que, Seigneur, tu es fidèle. Quand je me rapproche de toi, je comprends que tu es fidèle. Quand je suis dans ta présence, Père, je réalise que tu es fidèle. Quand je reviens, Seigneur, à tes pieds, je réalise que tu es fidèle. Quand je vois mes frères et sœurs t'élever, je sais que tu es fidèle. Quand je vois un peuple assemblé pour ton nom, je sais que tu es fidèle. Oh Père Seigneur, merci pour cette fidélité-là. Merci pour ton amour manifeste. Merci pour ton amour manifeste. Cet amour, Seigneur, que tu as manifesté pour nous. Tu as manifesté afin que moi je sois sauvé. Afin que moi je sois sauvé. Et que j'hérite, Père éternel, de la vie que tu avais destinée pour moi. Oh oui, en ce matin. À ce matin, oui, parle à ton Dieu. Monte encore dans ta prière. Ce Dieu qui est fidèle, il est fidèle pour toi et moi, il est fidèle dans nos familles, il est fidèle dans nos projets, il est fidèle dans ce que tu entreprends. C'est ce Dieu que nous sommes venus élever. Hey, monte encore un peu dans ta prière. Monte encore un peu dans ta prière. Saisis ce moment où Dieu est là, où il te fait du bien, où il manifeste sa fidélité. Et il manifeste sa fidélité en tout temps. Lui, il est fidèle en tout temps. Mais quand tu es dans sa présence, profite encore un peu plus de lui. Profite encore un peu plus de ce que lui peut faire. Prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Quand tu es dans la présence de Dieu, dis Seigneur, je veux prendre ce qui est à moi. Je veux prendre ce qui est à moi. Car je te connais, tu es fidèle. Tu es fidèle pour me montrer comment marcher. Tu es fidèle pour me montrer comment cheminer. C'est ce Dieu qu'on est en train de prier. Nous, les avant. Merci pour ta fidélité. 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 Oui, continue encore dans ta prière. Continue encore dans ta prière. Il y a une chose qui est bonne avec notre Seigneur, c'est qu'il est tellement fidèle que parfois toi tu te perds.
Quand tu fais marche arrière, tu reviens à la source. Lui te donne la force, il t'éclaire. Il est en train de te montrer le nouveau chemin. Et nous, quand nous venons dans la présence de l'Éternel, c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de te redonner la force nécessaire pour que tu puisses marcher dans la foi. Que tu puisses marcher dans la foi. Tu sais, quand tu marches dans la foi, tu as la capacité de faire des grandes choses. Tu as la capacité de déclarer un changement immédiat. Tu as la capacité de dire qu'en ce moment, ma santé est restaurée et elle sera restaurée parce que tu saisis la puissance de la source. Tu saisis la puissance de ce Dieu qui est amour. Oh oui, bien-aimé, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Parle encore à ton Dieu, parle encore à ton Dieu, parle encore à ton Dieu, parle encore à ton Dieu. Oui, parle encore à ton Dieu. Il est ta source, 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 il est la source, il est la source. Oui, Liziba, Seigneur, c'est toi. C'est toi la source, Père éternel. Ah, Dieu de gloire. Tu es là où tes enfants viennent rechercher la force. Tu es là où les enfants viennent rechercher la force. Tu es là où tes enfants viennent rechercher la force. Tu es là où tes enfants viennent rechercher la force. Là où ils viennent, Seigneur Tout-Puissant, pour être restaurés. Là où ils viennent pour être restaurés. Là où ils viennent pour être restaurés. Oh oui, tu es la source qui ne tarit jamais. La source qui ne tarit jamais. Quand moi, besoin. Je suis assoiffé, Père éternel, en ce matin, qu'il y a des assoiffés de l'éternel, des assoiffés de Dieu, des gens qui ont soif de boire à la source, une source qui ne tarit jamais, une source qui ressource, une source qui redonne une force. Voilà, là, c'est ce Dieu qu'on est en train d'élever, c'est ce Dieu que tu es en train de chercher. Seigneur, nous sommes là, Père éternel, nous revenons à la source, nous revenons à la source, nous revenons à la source. Saisis cela, Dieu va te toucher, Dieu va agir quand tu reviens à la source. Quand tu bois à la source, l'Éternel agit. Quand tu bois à la source, l'Éternel te fera du bien. Quand tu bois à la source, Dieu te restaurera. Quand tu bois à la source, l'Éternel va prendre soin de toi. Ah Yahweh, ah Yahweh, il y a des cœurs assoiffés en ce matin. Il y a des cœurs assoiffés en ce matin. Il y a des cœurs assoiffés en ce matin. Oui, bien-aimé, rentre dans la profondeur. Rentre dans la profondeur. Dans la profondeur de cette source. Rentre au plein milieu de cette source. Rentre dans la profondeur de la source. Car quand tu jaillis, quand tu vas jaillir un être nouveau. Rentre dans la profondeur de la source. En ce matin, tu es venu chercher quelque chose de nouveau. Tu es venu chanter un chant nouveau. La taille. Oui, rentre dans la profondeur de la source. Rentre dans la profondeur de la source. On nous dit dans les cieux, ils étaient en train de chercher qui est digne de rompre les sept sceaux. Mais c'est ce Seigneur, l'agneau immolé, ce Dieu souverain, lui qui a dit, si tu bois la source, tu n'auras plus jamais soif, car lui est la source qui ne tarit jamais. C'est ce Dieu que nous sommes en train de chercher. C'est ce Père que tu es venu chercher. Oui, bien aimé, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Ah, Lisibanama, papa Esaïo. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Dieu de ma source. C'est toi, le Dieu de ma vie. C'est toi, le Dieu d'une vie. C'est toi, le Dieu d'une vie. Oui, c'est lui le chemin, la vérité, la vie. Ah, ce matin, tu es en train de marcher dans ce chemin. Il va te révéler la vérité et il restaure ta vie. Il restaure ta vie. Oh oui, bien-aimé. Saisis cela, saisis cela. Saisis ce moment. Saisis le moment où la source te fait du bien. Oh Yahweh, Araba, c'est toi mon Dieu, c'est toi mon Dieu. Oh oui, un peuple disposé pour toi, un Dieu peuple amoureux de toi, un peuple disposé pour toi,
un peuple amoureux de toi, un peuple qui ouvre son cœur. Oui, ouvre ton cœur à ce Dieu, 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 parce qu'il est la source. Cette source-là, il va aller toucher dans les profondeurs de ton cœur, il va remettre ton cœur, il va le remettre à l'état initial, à l'état de l'amour pur, à l'état de l'amour pur, l'état des enfants de Dieu, l'état des élus de Dieu. Oui, restaure, Radha. Ah, il est la source. Ah, tes enfants sont en train de pousser des chants nouveaux. Ils sont en train de pousser des chants nouveaux. Ah, ils sont en train de pousser des chants nouveaux. Car tu es la source. Papa, Yonelisiba, papa. Yonelisiba. Yonelisiba, papa. Ma source. Il n'y a pas mieux que toi. Il n'y a pas mieux que ce Dieu-là. Il n'y a pas mieux que lui. 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 Tu es en train de dire à ce Dieu, il te connaît. Toi aussi, tu le connais en ce matin. Tu le connais en tout temps. Ah, vous vous connaissez dans une profondeur. Oh là là. Il t'a choisi. Et toi aussi, ce matin, choisis-le.
cela, saisisse pendant que nous sommes en train de chanter. L'Esprit de Dieu est là. Il est là, il attend que toi tu ouvres ton cœur, que tu ouvres et tu lui laisses l'espace pour que lui il agisse. Saisis le moment, saisis le moment, saisis le moment, saisis le moment. Tu es là, tu es revenu à la source. Tu es là, revenu à la source qui est ce Dieu. Une source qui ne tarit jamais, une source qui nous fait du bien. C'est ce Dieu-là. Il est amour, ce Dieu-là. Il est amour, ce Dieu-là. Et quand nous sommes en train de chanter, mon livre, tu es en train de reconnaître que quand tu es à la source, tu as besoin de l'Esprit. L'Esprit qui te conduit. L'Esprit qui va te montrer le chemin nécessaire pour que tu restes fort. Que tu restes avec ce que tu as puisé. Et même quand tu reviens à la source, c'est cet Esprit qui te donnera les renseignements nécessaires. Qu'il est le moment que tu retournes. Car tu as besoin de puiser à nouveau. Tu as besoin de puiser à nouveau. Tu as besoin de chercher à nouveau. Tu as besoin de Dieu à nouveau. Tu as besoin du Père à nouveau. Tu as besoin du Fils de Dieu à nouveau. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là. C'est ce Dieu-là. Il continue, les chantres continuent derrière en sourdine. Profite de ces derniers instants. Parle encore un peu à ton Dieu. Parle encore à ton Dieu. Dis à ton Dieu pourquoi tu t'attends à lui. Pourquoi tu as besoin de lui. Parle à ce Dieu. Les enfants qui ont besoin de toi. Ils attendent, Seigneur, tu te sens. Que tu puisses agir. Que tu puisses donner. Les renseignements, que tu puisses donner les directives. Esprit, que tu puisses montrer les directives. Que tu puisses montrer, oui, profite de ces derniers moments. Profite de ces derniers moments. Oui, élève encore un peu ta voix. Merci Dieu de gloire, car tu es là. Merci car tu es là, Seigneur, tu es au rendez-vous. Merci car tu es au rendez-vous. Merci car tu es au rendez-vous. Tu es au rendez-vous. Et ton peuple, Père éternel, a l'opportunité de saisir ta présence, de vivre ta présence. Merci Dieu de Dieu. Merci Dieu de Dieu. Merci pour ta présence, Papa. Merci pour ton esprit, Papa. Merci, mon Dieu. 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 Merci, mon Dieu
Merci car Seigneur, déjà en cette première partie, tu nous fais du bien. Merci car en cette première partie, Père éternel, tu es en train de montrer l'étendue de ta main, Seigneur. Et je crois que Seigneur, dans toute chose, toi tu vas agir dans une puissance. Tu vas agir fortement. Il y a des cœurs qui vont être transformés. Il y a des vies qui vont être renouvelées, Seigneur. Car quand nous venons dans ta présence, ce n'est jamais la même chose. Quand nous venons dans ta présence, Dieu de gloire, nous ressortons jamais de la même façon, Père éternel. Merci, Père éternel, Seigneur Tout-Saint. On va chanter le refrain Nazelakoyo une dernière fois. Et puis après cela, on va pousser des cris de joie. Car tu es un enfant qui s'attend à ce que Dieu agisse. Et tu es venu saisir cela en ce jour. Et on va monter avec la musique. Que cela soit comme un cri de victoire. Que ce soit comme un cri d'un victorieux. D'un enfant qui est victorieux. D'un victorieux. D'un champion dans le Christ. D'un enfant qui a vaincu. De celui qui a saisi ce qui est Dieu. Celui qui a saisi qui est Dieu. Une dernière fois, pas une dernière fois. Le Plata, tu acclames dans la présence de Dieu. Tu pousses des cris de joie à ce Dieu puissant. Tu élèves ce Dieu. Le Plata, poussons des cris de joie dans la présence de Dieu. Tu pousses des cris de joie. Tu élèves ton Dieu. Tu couvres encore. Ah, je veux des cris de joie, 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 ce Dieu qui est puissant. Amen, amen, amen. Amen.